Bonjour tips, c'est Megantis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft et pas Mini World. Cette fois c'est le vrai Minecraft, le pur, le dur. Donc on se retrouve aujourd'hui en survie sur Minecraft, le pur, le dur, comme je l'ai dit. Enfin, le pur, le dur un peu moins, vu quand vous saurez qu'il est craqué. Mais bon, je suis là pour démarrer, pour faire un semblant d'épisode de Minecraft, pour vous annoncer ça. Donc on va démarrer par le début. Alors je sais que j'ai quelques bugs, mon ordi n'est vraiment pas adapté pour encaisser un Minecraft. C'est pour ça que j'ai toutes les options graphiques au minimum. C'est pour essayer de faire tourner à la fois mon logiciel d'enregistrement et à la fois mon jeu. Parce que Minecraft tout seul, ça va encore. Mais quand on y rajoute le mais quand on y rajoute le logiciel dans le restaurant, donc première chose à faire c'est se faire un établi ou un ou une établie. Bon, on n'est pas là pour discuter de ça, on ouvre l'établi, on fait une pioche et on va miner. Donne la pierre le plus rapidement possible pour en avoir rapidement un peu et déjà du fer. On va le miner à la pioche en pierre. Je suis pas sûre que ça se mine à la pioche en bois, le fer. Imaginez, j'ai du fer avant le charbon. Quand même prendre un petit peu de pierre parce qu'il faut de quoi faire un, il faut de quoi faire un four, il faut de quoi faire tous les outils en pierre. On va tourner autour de la pierre. Du fer plutôt. Direct, premier truc à faire, pioche en pierre. Voilà. Une pelle et dernier truc à faire, un four. On va faire descendre tout ça, on va faire monter la pierre. Et on va commencer à miner du fer. Sachez que j'ai. Non, rien. Donc, on met le minerai de fer là. On va mettre. On va déjà mettre la pioche en bois, vu qu'elle va pas servir à grand chose sinon. Et on va mettre les planches. Attendant, on va aller miner un peu de bois. Ou plutôt, on va aller bûcher un petit peu de bois. Donc maintenant que j'ai en fait j'ai plusieurs versions de Minecraft vu que j'ai Minecraft sur ma Nintendo Switch. J'ai maintenant Minecraft sur le PC. Même si c'est une version craquée, je vous l'accorde. Mais en fait je jouais surtout Minecraft pour PC pour pouvoir vous sortir quelque chose. C'est du Minecraft modé. Du Minecraft avec des mods. Et ça va être possible, j'ai déjà commencé certaines séries, bon je suis pas des certaines séries mais des petites aventures.
Évidemment. Mais bon. Donc on a 9 lingots de fer. On va déménager un petit peu. J'ai trouvé un biome. À côté, il y a un biome. J'ai un truc à faire. Une pioche. Quand j'aurais pas oublié que. Pour un truc à faire, une pioche. Et deuxième truc à faire avec 6, ben on va les conserver. Pour cette première partie, je me suis mis en. Je me suis permis de me mettre en paisible, en peaceful, tant qu'il n'y a pas de monstre. Et donc voilà le biome glace. C'est un biome que j'adore. Je trouve magnifique. Ça rappelle tellement de souvenirs, Minecraft. Pour vous dire, Minecraft, ça est resté le jeu. Ah tiens, des grottes. C'est resté le jeu le plus connu de la communauté et tout. Le premier jeu dans les listes, si on pouvait citer dans les jeux les plus. Si on pouvait dire, il y a quelques années. Avant 2017, ou quelque chose comme ça. Ah, on pourrait dire le jeu pas le meilleur, mais enfin, pas forcément le meilleur, mais le plus joué du monde actuellement et tout, c'est quoi? C'est Minecraft, évidemment. Mais maintenant, récemment, on lui a trouvé quelqu'un qui l'a détrôné. C'est évidemment Fortnite. Bon, on a fait un demi-tour. Alors vous demandez, oui, Yogami 46, pourquoi tu n'utilises pas ta pioche en fer? C'est beaucoup plus pratique et tout. Eh bien, sachez que moi, je suis économe. Ce qui veut dire la pierre, j'en ai des tonnes. Le fer, un peu moins. Bon, évidemment, ça peut aller vite. Eh bien, moi, j'économise ma pioche en fer. Je l'utilise que quand j'ai besoin de miner un. Que quand j'ai besoin de miner un minerai qui se mine avec une pioche en fer. Comme dirait Myriam 46, c'est absurde. Eh ben non. Je fais pareil avec les pioches en diamant. Par exemple, j'utilise les pioches en diamant que lorsqu'il faut miner de l'obsidienne ou de l'émeraude. Ça permet d'économiser une ressource rare. On vous laissait me dire, mais Myriam 46 fer, c'est quand même pas si rare que ça. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Mais quand des fois. Vous crevez hyper souvent et tout ça ponctué de passages où il faut se refaire une armure et tout un stuff. Économisez les pioches en fer, si vous minez beaucoup, ça peut être vachement utile. Un mouton! Un mouton! Voilà. Aïe. Se faire d'être voilà donc sachez que je maîtrise pas encore je pense que vous l'aurez remarqué mais je maîtrise pas excel je suis pas excellent sur Minecraft PC j'ai l'habitude de jouer sur console le débat PC console ça peut être violent bon il y a rien à prendre là donc on va partir. Disait qu'il n'y avait rien à prendre, et ben je commence à me tromper moi. Voilà.
Jolie mine, joli filon de fer. D'ailleurs, sachez que pendant les vacances, j'ai largement le temps de tourner, donc j'aurai le temps de tourner des vidéos. Mais sachez que il risque pendant que quand je vais reprendre le travail et tout, que la cadence des vidéos elle chute énormément. Et que déjà si j'arrive à sortir une vidéo par week-end, ça serait excellent. Mais bon, ça risque pas de se passer comme ça. Ça risque pas de se passer comme ça. Vous vous souvenez de mes énormes pauses de 6 mois des fois avant de pouvoir refaire une vidéo. Ma chaîne elle en a encaissé des pauses, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Et c'est pas des pauses comme ça qui m'arrêteront. Ça, j'en suis sûre. Mais c'est des pauses. Grâce au coronavirus et tout, j'ai quand même y réussi de faire plus de vidéos. Bon, on va faire première maison. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parfait, ça sera délimité par ces torches. Même si finalement je les écarterai bien d'un bloc. Là. Mon four là. Ma table de craft là. Vous allez me dire, 1046, elle est où ta maison? Bon, on va la construire, c'est ça le but dans Minecraft. Hop là, c'est parti pour le fer. On va la faire en pierre. Vu que j'ai pas d'autres ressources actuellement. Bon, c'est une première maison. Je n'ai jamais été bon en esthétique. Je fais comme je peux, mais je n'ai jamais été bon en esthétique. Je préfère l'efficacité à l'esthétique. Et vous me verrez souvent faire un truc complètement tordu, mais super utile plutôt qu'un truc mais qui ressemble à rien. Un truc qui ressemble à rien mais qui est super utile. Juste parce que moi j'en ai rien à faire d'esthétique. Enfin rien à faire, c'est vrai que des fois je me permets de. Des fois je me permets quand même de faire 2-3 trucs beaux, à peu près. J'ai plein de bois, on va se faire une porte. Oui je sais, il n'y a pas assez, il faut 6 pour faire une porte. Porte en sapin, c'est le seul bloc de bois que j'ai. Voilà. Attends, j'ai plein de bois. C'est parti ça, c'est parti ça. Ça aussi c'est parti, ça aussi c'est parti. Le fer dans tout ça. 15 lingots de fer. Déjà, on va pouvoir commencer à se faire plein d'outils en fer. Bon, là, faut surtout que j'aille miner pour récupérer la pierre pour terminer la maison. Bon, je vous rappelle que je suis en peaceful, donc en pacifique, donc il n'y a pas de monstre. Vous me demanderez peut-être sur une garantie. Moi aussi j'ai envie d'avoir Minecraft, mais j'ai pas trop l'argent. Je n'ai pas assez. Je suis peut-être comme toi, petit youtubeur, mais je n'ai pas encaissé de YouTube monnaie. Comment peut-on faire? Eh ben, c'est vrai que je pourrais faire un tuto pour vous apprendre à installer Minecraft Crack. Mais bon, il y a tellement de tutos sur Internet. Vous tapez sur YouTube comment. Vous marquez Minecraft Crack, Minecraft Crack FR, et c'est bon, vous le trouvez, j'ai copié sur une vidéo. Ça demande pas beaucoup de manipulation, c'est correct. Et vous me demanderez aussi, pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, vous avez une garantie, tu as sorti 2 fois une vidéo, et il y en a une qui a disparu un petit peu après. C'est quoi ce qui se passait? Et bien en fait dans la première vidéo, j'avais oublié d'enlever les pubs au montage. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis immédiatement reparti sur le montage. J'ai enlevé les pubs.
Et voilà. Sauf que vu que la vidéo était déjà y aller, et je sais que vous avez pu me dire, mais 1046, voilà, c'est rigolo d'avoir une vidéo fail et tout. Donc je ne l'ai pas mise en privé, je l'ai mise en non répertorié. Ce qui veut dire que elle ne se dire vous ne pourrez pas la voir dans l'adresse de ma chaîne, mais vous pouvez la voir si vous avez l'URL de la vidéo ou un lien. Et ben ce lien, vous l'avez, vous le trouverez tout simplement dans une playlist que j'ai créée, que j'ai appelée playlist de vidéos fail. Voilà. J'ai appelé cette playlist de vidéos fail où j'y mettrai sûrement des problèmes de vidéos et tout. Mais bon. Si je commence à voir que cette vidéo est la plus vue de la chaîne, encore pour quelques bugs et tout. Mais ça, si je commence à voir que cette playlist est la plus vue de la chaîne, je pense que je vais commencer à douter. Là. Donc on va se faire des outils. On va se faire une épée pour ça, faire c'est imposant. Maintenant, on va se faire des armures. Une armure complète en fer. Tromper le bouton. C'est ce bouton-là, je crois. Je n'ai pas encore de skin. Regardez. Hop là. Voilà. Il nous reste un gosse. Bon, ben je crois que ça va être tout pour cet épisode. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Attendez. Voilà. Donc je vous remercie de l'avoir regardé. Mettez un pouce bleu, commentez, abonnez. Commentez, abonnez-vous à la chaîne de mes amis Alexis Clash et Pandarou. Vous connaissez la rengaine. Enfin, j'espère. Si vous la connaissez pas, ben faites-la quand même. Et maintenant, à plus YouTube!